Peu de chances de nous rencontrer, puisque nous vivons à des époques très éloignées l'une de l'autre. C'est pourquoi j'ai décidé de vous écrire, en espérant que cette lettre pourra vous atteindre. Et pourtant, Jésus vous parle et vous demande à boire. Évidemment,
on peut se dire que c'est juste un service qu'il vous demande. En fait, j'en suis venu à me dire que sa demande « Donne-moi à boire » était une prière. Ensemble, demandons au Seigneur de bénir cette eau. Dieu éternel et tout-puissant en amour, tu as donné aux hommes l'eau qui les fait vivre et qui les purifie. Elle réveille nos cœurs. Elle nous rappelle que nous sommes créés à ton image et à ta ressemblance.
la première en chemin. Samarie de notre évangile travaille durement comme toutes les femmes qui font la corvée d'eau. La vie en ces temps de crise. La crise a pour conséquence des licenciements importants, des entreprises. De le montrer. Pourquoi tant de violences subsistent? Pourquoi tant de guerres? Seigneur, ouvre nos esprits et nos cœurs à l'authentique amour de nos frères et sœurs. Donne-nous de passer des paroles et des intentions aux actes. Par ton esprit, aide-nous à... Thank you.
pas. À cette